a mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Presumiéndolo, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor. De mon côté, ça ne pose aucun problème. Qu'on se connaisse plus amplement. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío. Montserrat, je mourais d'envie de t'embrasser depuis qu'on s'est rencontrés. Je n'aurais pas dû le faire. À vrai dire, je ne m'y attendais pas. Dans ce cas, excuse-moi. Je ne voulais pas t'offenser. Le fait est que je n'ai pas pu m'empêcher. Ne sois pas fâché. Si tu veux tout savoir, la première fois que je t'ai vu sur la plage, j'ai été envoûté. Tu t'en souviens? Mon père est mort ce jour-là et j'étais complètement perturbé, car du jour au lendemain, ma vie a changé du tout au tout. J'étais perdu. Mais quand je t'ai vu, seul face à la mer, c'était comme si j'avais trouvé la lumière dont j'avais besoin. Depuis ce jour-là, il n'y a pas eu un seul instant où je n'ai pas pensé à toi. Je ne m'attends pas à ce que tu me dises quoi que ce soit. Ce qui m'importe, c'est que j'ai l'impression que je ne te suis plus indifférent et que je pourrai un jour atteindre ton cœur. Écoute-moi, je te promets de ne plus essayer de t'embrasser. Si tu le veux bien, décide-toi au plus vite, car maintenant, maintenant que je t'ai embrassé, je n'ai qu'une envie, c'est de t'embrasser à nouveau. Au fait, tu ne m'as jamais dit qui était la personne que tu attendais sur la plage ce soir-là. Alessandro, avant tout, il faut que je sois honnête avec toi. Ce jour-là... Princesse, ton père est enfin parti se coucher. Vous désirez un autre café, Alessandro? Vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Bien sûr. Merci pour le café, mais il faut absolument que j'y aille. Pourquoi donc? Il est tôt pourtant. Maman, Alessandro a peut-être des choses à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand allez-vous revenir? Demain? Pour reprendre un café? Je ne sais pas si je devrais... Bien sûr que oui, n'est-ce pas, ma chérie? Oui. Dans ce cas, on se voit demain. D'accord. Merci. Bonne soirée, Montserrat. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Il est si charmant. Il est à croquer. Montserrat, ce serait trop te demander d'être plus aimable avec Alessandro, princesse. Il faut que tu lui montres que tu es intéressée par lui. Sois plus gentille avec lui. Tu aurais dû voir à quel point tu étais tendue, ma chérie.
Ce n'est pas de cette façon que tu le séduiras. Mais je ne cherche pas à le séduire, maman. Ne commence pas à dire des sottises, ma petite. On s'était mise d'accord. Oui, je sais que c'est à moi de me sacrifier pour sauver ma famille en épousant un homme riche. Ne t'en fais pas pour ça, maman. C'est ce que je vais faire. Et tu sais pourquoi? Parce que ce que je vais devenir m'est égal. Voilà. Ne me demande plus rien. Bonne nuit, maman. Mon Serra, mon amour. Nous nous reverrons très vite. Je te le promets. Mon Serra, je mourrais d'envie de t'embrasser depuis qu'on s'est rencontrés. Reste dans mes bras pour toujours. Je te protégerai, je prendrai soin de toi. Plus jamais, je n'aurai confiance en l'amour. Plus jamais. Tu es encore debout? J'ai besoin que tu jettes un dernier coup d'œil à ces papiers avant de partir demain. D'accord. Tu pars à quelle heure? Je ne pars plus. Tu ne vas plus à la Hacienda? Non, je vais rester. Mon Serra? Mets les tournesols dans le petit vase. Et les autres dans le grand. C'est simple. C'est pourquoi toutes ces fleurs? Je me suis levée tôt pour les acheter. Et d'où as-tu sorti l'argent? J'avais 2-3 sous de côté. Tu sais quoi? Alessandro rentre aujourd'hui et je veux que tout soit parfait. J'ai besoin que tu me rendes un service. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais acheter un beau bouquet de fleurs et le faire livrer chez Monserra? Vraiment? Ouais. Ça y est, t'es amoureux? Ça te fait rire. Tu devrais être content pour moi, non? Mais je suis content. Je te promets que je le suis. Tu me connais. Il ne m'était jamais arrivé une chose pareille. Vu que je te connais, je veux que tu me rendes un service. Quoi? Réfléchis bien avant de te lancer, Alessandro. Écoute-moi. Victor, t'as été sauvé par le gong. Je m'en occupe, Margarita. Merci. Bonjour. Je cherche Alessandro Almonte. C'est moi? C'est pourquoi? Puis-je vous parler un instant? Oui, bien sûr. Tu peux t'occuper de ce que je t'ai demandé? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous écoute. Votre beau-frère a signé ce billet à ordre hier soir. Il a dit que vous vous en chargeriez. Mon beau-frère? Oui, monsieur, Dimitrio Mendoza. Il a perdu aux cartes et c'est pour ça que je suis venu. Tout d'abord, Dimitrio Mendoza n'est pas mon beau-frère. Et je n'ai pas à régler ses dettes de jeu. Écoutez, quelqu'un doit me payer ce billet, et Dimitrio m'a assuré que vous... Quoi que Dimitrio vous ait dit, c'est faux. Je fais quoi, moi? Je ne sais pas, c'est pas mon problème. Dans ce cas, je vais devoir parler avec l'amiral Mendoza. Très bien, faites ce que vous voulez. Tout va bien, Refugio? Je n'ai pas pu dormir hier soir. Tu as pu parler avec Monserra? Non. Essaie à nouveau, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Il faut absolument que tu lui dises où je suis et ce qui se passe. José Luis, laisse-moi te donner un conseil. Oublie cette fille au plus vite. Comment peux-tu me dire ça? Tu sais mieux que personne que Monserra est ma raison de vivre. Oui. Et toi, tu es prêt à tout risquer pour elle, alors qu'elle... Elle ne te mérite pas. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je l'ai vu avec un autre homme. Non. Non, non, ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas possible. Je l'ai vu embrasser un autre homme. Elle n'en vaut pas la peine. Non, 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 non. Tu as dû la confondre avec une autre personne. Ce que tu dis est impossible. José Luis, j'en suis sûr. Comment peux-tu en être sûr alors que tu ne la connais même pas? Parce que je l'ai vue, José Luis. J'ai parlé avec elle le jour où elle est venue te voir. Je ne me suis pas trompé. C'était Monserra. Je m'en occupe, Manuela. Merci.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que Dimitrio Mendoza est là? Non, il est sorti il y a à peine 5 minutes. Qu'il demande? Et est-ce que l'amiral Mendoza est là? Oui, mais mon père est très malade, il ne pourra pas vous recevoir. Ah, vous êtes sa sœur? Alors dites à votre cher frère que s'il ne paie pas les 20 000 pesos qu'il me doit aujourd'hui, ça va mal se passer. Quoi? Mon frère vous doit 20 000 pesos? Ouais, il a perdu au poker hier soir et il a signé un billet à ordre. Il a dit que son beau-frère allait s'en charger. Apparemment, Monsieur Almonte n'est pas son beau-frère et il n'a pas voulu payer. Alessandro, bonjour. Je suis désolé de te déranger. Tu sais que nous avons des problèmes d'argent et quoi qu'il fasse, mon père a vraiment du mal à s'en sortir. Enfin bon, il aurait besoin de 20 000 pesos. Si tu acceptes de nous les prêter, je peux les prendre et les lui donner directement. Je te rendrai l'argent au plus vite. Comment peux-tu oser me mentir? Je sais très bien que tu as perdu cet argent au poker. Je peux savoir ce qui t'a pris de dire que ce serait moi qui paierais tes dettes de jeu. Comment, mais qui t'a dit ça? L'homme contre qui tu as joué hier soir. On se connaît à peine? Pourquoi tu m'as embarqué dans cette histoire? Cet homme est venu ici me réclamer l'argent. Et c'est pas fini. En plus de ça, tu as eu le culot de dire que j'étais ton beau-frère. Sache que ça ne me plaît pas que tu embarques ta sœur dans toutes ces magouilles. Pardon, pardon, tu m'as démasqué. Je suis vraiment désolé. Le jeu était truqué, il voulait me voler mon argent. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est donner ton nom pour éviter qu'il me tue. Excuse-moi. Que ça ne se reproduise plus. D'accord. Tu as payé, du coup? Bien sûr que non. Non, c'est évident que non. Pourquoi tu l'aurais fait? Je m'étais imaginé que tu m'aiderais, surtout après nous avoir dit que tu nous aiderais financièrement, mais non. J'aiderais financièrement ta famille, pas toi et tes problèmes. Je me demande si j'ai bien fait de m'engager là-dedans. Mais si je le fais, c'est parce que je me suis rendu compte que Montserrat est une personne gentille et respectable qui n'a rien à voir avec vous qui êtes des profiteurs. Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé avec Sébastien Icaza. Ça n'a pas marché avec lui, et si je n'étais pas apparu, vous auriez essayé d'appâter n'importe qui d'autre, pourvu qu'il ait assez d'argent pour vous sortir de vos problèmes financiers. Non, 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 c'est pas vrai. Ne nous mets pas tous dans le même sac. Le fait que je m'attire des ennuis n'a rien à voir avec ton histoire avec ma sœur et que toute la famille pense que tu es le gendre idéal. J'en sais rien, et je m'en fiche, en fait. Mais ne mélange pas les choses. S'il te plaît. Pars de chez moi, j'ai mieux à faire. S'il te plaît, Alessandro, je t'en prie, je t'en supplie, j'ai besoin de cet argent. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je t'en supplie, sinon je vais être dans le pétrin. Je pense que tu l'es déjà. L'homme qui est venu m'a dit qu'il allait aller chez toi pour parler avec ton père. Oh. Dimitrio a osé dire à cet homme qu'Alessandro Almonte était son beau-frère et qu'il paierait ce qu'il doit. Oh, c'est pas vrai. Tu en es sûr? Et le pire dans tout ça, c'est que cet homme est allé chez Alessandro lui réclamer l'argent. Qu'est-ce qu'il doit penser de nous maintenant, maman? C'est incroyable, princesse. Tu imagines si ton père l'apprenait? Cette fois-ci, Dimitrio a vraiment dépassé les limites. Oui. Et Alessandro qui vient manger ce soir à la maison. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise après pour nous justifier? Non, non, je ne descendrai pas. Je suis sérieuse, je ne descendrai pas ce soir. J'ai vraiment honte. Calme-toi, princesse. Tu ne vas tout de même pas faire une chose pareille. Comprends-moi, maman. Dimitrio raconte aux gens que c'est son beau-frère. Alessandro pourrait croire que je finirai par l'accepter un jour. Pourtant, hier soir, tu m'as dit que tu pensais le faire, ma chérie. Que tu étais prête à te marier avec lui. Oui, mais faut-il encore qu'après ça, il veuille toujours se marier avec moi? Alessandro est très intéressé par toi, ma princesse. Tu le fascines. Et comment tu sais ça? C'est lui qui me l'a avoué. Et moi, je lui ai dit à mon tour que tu n'étais pas indifférente. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça, maman? Parce qu'il voulait partir d'Aguazul, enfin. Et ça nous arrange pas, mon sœur. Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce que tu as dit à papa par rapport à tout ça? Tu crois que ton père est si bête que ça? Il s'est rendu compte qu'Alessandro est intéressé par toi, c'est pour ça qu'il l'accepte. Parce que c'est un très bon parti. Mais aussi parce que je lui ai dit que tu avais très envie de connaître un peu plus Alessandro. Parce qu'il te plaisait et que tu pensais être amoureuse de lui. Tu n'aurais jamais dû faire ça.
Tu n'aurais jamais dû lui mentir de cette façon. Qu'est-ce que tu veux, hein? Tu veux me faire encore plus de mal, c'est ça? Ne réagis pas de cette façon, voyons. Maman! Tu n'as pas de souci à te faire, je contrôle la situation. Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à Alessandro et m'excuser pour ce que ton frère a fait. Et maintenant, je me demande quel bijou je vais devoir vendre pour payer cette dette. Lequel, mon Serra? José Luis, je t'ai rapporté à manger. Non, merci. Je n'ai pas faim. Je te laisse le sac ici, de toute façon. Il y a de l'eau et des fruits, au cas où tu aies faim. Refugio. Refugio. Tu m'avais dit que... Tu m'avais dit que Montserrat était venu me voir, c'est ça? Oui. C'est le capitaine Robledo qui l'a reçu. Il lui a dit que tu avais demandé de changer de base et que tu étais parti définitivement d'Aguasul. Quoi? Oh. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a réagi comment? Elle ne savait plus quoi dire. On voyait qu'elle se sentait mal. Je suis certain. Je suis sûr qu'elle doit me maudire en ce moment. Elle doit penser que je suis parti sans elle, sans lui dire au revoir. Je comprends ce que tu dis, que je l'ai mais abandonné. J'ai l'impression qu'elle t'a oublié très vite. Je l'ai vu avec un autre homme. Non. Non, je ne peux pas y croire. Il y a sûrement une explication à tout ça, j'en suis sûr. De toute façon, je ne changerai pas mes plans. Il faut que je m'échappe et que je l'emmène loin d'ici pour que ses parents ne nous séparent plus jamais. Il faut Écoute, que je m'échappe et que je l'emmène loin d'ici. Et si elle ne veut plus partir avec toi? Ça n'arrivera pas. Je suis sûr des sentiments que Montserrat a pour moi. Si ça se trouve, elle doit se sentir perdue. Oui, c'est ça. Elle se sent perdue. Montserrat même. Oh, ne restez pas plantée là, Manuela. Mettez-les dans un vase. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces fleurs. Ça sent l'amour. Vous pourriez les mettre dans l'eau, quand même. Oui, madame, j'y vais. Tu as vu ce qu'Alessandro Almonte t'a fait livrer, princesse? Regarde, il y a même un mot. Il a sûrement dû envoyer ses fleurs avant que cet homme aille le voir. Et maintenant, il doit s'en vouloir de l'avoir fait. Je préférerais qu'il soit si énervé qu'il décide de ne pas venir. Pourquoi, Montserrat? Parce que je n'ai pas envie de me marier ni avec lui ni avec qui que ce soit. Non, 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 ce n'est pas un jeu, Montserrat. Si tu t'es déjà engagée, eh bien... C'est une grosse erreur et j'ai le droit de changer d'avis si je le veux. Il s'agit de ma vie, maman. Et tu es en train de jouer avec elle. Oui, je sais, mais il s'agit également de la vie de nous tous. Et surtout de celle de ton père. Hmm? De plus, je me suis déjà engagée auprès d'Alessandro Almonte. Je lui ai dit... Tu n'aurais jamais dû t'engager auprès de lui. Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Tu n'aurais pas dû lui mentir, lui dire qu'il m'intéressait, alors que tu sais parfaitement que ce n'est pas vrai. Je comprends maintenant... Pourquoi il m'a embrassée? Non. Non, attends, il t'a vraiment embrassée? En effet, parce qu'à cause de toi, Alessandro croit qu'il me plaît. Et s'il vient ce soir, je te préviens que je vais mettre les choses au clair avec lui. Non, non, tu n'as pas intérêt. Si, je vais lui dire la vérité. Parce que je n'ai pas envie de lui mentir. Je n'aime pas ça et je n'ai pas envie de jouer avec les sentiments de qui que ce soit. Fais très attention à ce que tu dis, n'essaie pas de me défier. Je suis ta mère, tu vas me respecter et tu vas faire ce que je te dis. Maman, non, je... Non, non. Écoute-moi bien. Maman, il faut que je te parle. Moi aussi. Tu n'as pas honte, Dimitrio? Comment as-tu pu... Tais-toi, sale morveuse. T'es vraiment un imbécile. Officier Solares, allez chercher le prisonnier. Nous allons le remettre aux autorités pour qu'ils le transfèrent dans une maison d'arrêt de la capitale. Je ne pensais pas si tôt. Je vous rappelle que nous devons gérer cette situation avec une grande discrétion. Le capitaine Robledo souhaiterait que l'officier Alvarez disparaisse d'Aguasul en toute discrétion. Nous allons remettre le prisonnier à plusieurs kilomètres, et il n'y aura que nous lors de ce transfert. Je ne veux personne d'autre pour ne pas éveiller de soupçons. Et n'oubliez pas, si l'officier Alvarez tente à nouveau de s'échapper, vous avez l'autorisation de l'abattre.
Oui, monsieur. Rampez. Qu'est-ce qui se passe? On m'a ordonné de venir te chercher. On va t'emmener en dehors de la ville. Là-bas, on te récupérera. Pour te transférer dans une maison d'arrêt de la capitale. Maintenant? Tout de suite? Le lieutenant Avellaneda et moi serons les seuls à être présents. Tourne-toi. Je dois te mettre les menottes. Qu'est-ce qu'on va faire, Refugio? On va risquer nos vies. Ouais.